salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est exactement pour vous expliquer comment faire pour régler le problème du bug de souris que vous avez vu quand vous ne pouvez plus tourner. Alors pourquoi je parle vite? Parce que je suis extrêmement pressé pour réaliser cette vidéo. En effet, j'ai des obligations dans cette journée, des grandes obligations que je dois honorer aujourd'hui. Il est 12h35, le 22/04/2022, et on doit accélérer très vite pour faire cette vidéo. Même si cette introduction commence à prendre beaucoup de temps, en effet, pour une vidéo qui est censée aller vite. En fait, juste je parle vite, mais ça va pas forcément très vite dans le déroulé de la vidéo. En effet, c'est somme toute un peu dommage de perdre du temps juste pour vous dire que je dois aller vite et que je ne dois pas perdre de temps. Et oui, et vous avez compris un peu le principe de tout ce que je suis en train de dire. Bref, on va passer directement à l'explication du pourquoi, comment, surtout comment régler ce problème. Ah, téléphone de merde! On n'a pas le temps, je dis. Bah, du coup, j'ai pas répondu. Bref, alors comment on fait? Je rappellerai après, évidemment, c'est un rendez-vous aussi très important que j'ai. En effet, je suis devenu un businessman depuis peu de temps. Je vous expliquerai peut-être ça ultérieurement, dans une autre vidéo, si vous voulez comprendre le pourquoi. Mais ta gueule! Bref, allez, c'est parti. Alors, ça va être très rapide, c'est très facile à faire. Comment on fait pour régler le problème du bug de souris? On peut plus rader autour de soi. Alors, tout simplement, vous allez ici. Mais merde! Bon, peut-être important. Allô? Alors du coup, comment ça se trame? Vous êtes ici, dans votre PC. Bah, il y a tout. Vous allez dans Windows C. Utilisateur. Là, vous mettez votre nom d'utilisateur. Ensuite, vous allez dans AppData. Pour voir AppData, il faut ici cocher la case éléments masqués. Là, affichage, tout, éléments masqués. Comme ça, vous voyez AppData, parce que c'est un document caché, je sais pas pourquoi. Ensuite, vous allez dans Local. Vous descendez à The Isle. Et il y a ce dossier Saved. Ce dossier Saved, vous le supprimez. Je vais pas le faire, sinon ça me fout de bordel. Vous le supprimez, et en fait, ce dossier Saved comporte tous les paramètres que vous avez enregistrés dans le jeu. Le son, la qualité texture, et vos touches. Et notamment, les touches de la souris. Donc, il va falloir reconfigurer toutes les touches du jeu. Mais au moins, vous pourrez regarder autour de vous. Voilà, j'espère que vous avez compris, j'espère que c'est clair. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous pour le petit pouce bleu que vous allez mettre. Merci à tous pour le commentaire que vous allez mettre en disant « Merci Togmar, merci à toi de nous sauver. Oh, oh merci, oh sauveur, oh désespoir. » Voilà, merci à... Merci, hein, tout le monde.